grosse défense des Portelois. On voit qu'ils mettent beaucoup d'agressivité. Il reste 5 secondes au chrono des 24. Deux tirs pour un tir à 3 points, c'est dedans. Avec un écran dans l'axe. Perte de balle de Benoît Mangin. Contre-attaque. 2 points. Voilà, ça fait plaisir de voir les Portelois mettre dedans. 3 points, il a été oublié sur la défense. Perte de balle, contre-attaque, un 4 contre 1. Renwright qui vient accrocher le cercle et marquer 2 points. 10-6 pour Strasbourg. Benoît Mangin qui met de l'agressivité, 2 points. McIntosh and one. 2 points scorés. Deux points scorés par Colson. Le contre. Le rebond du Dano. Et 3 points scorés du numéro 17. Charles Noé qui score sur un petit post-up. 2 points. Voilà, je passe à Duté qui joue sur un contre 1. Ah voilà, avec Mathieu qui met 2 points. Le rebond. Et encore un tir à 3 points marqué de Richard. Tir à 3 points réussi de Colson. Voilà, un pic dans l'axe encore. Colson, 2 points. Bonne défense, interception. Ballon récupéré par McIntosh. En écran. Et Georges Joseph encore au rebond. McIntosh à 3 points. Et c'est dedans. Et la balle récupérée par Médiane Guama. On aura un 3 contre 1. Et les 2 points de Benoît Mangin. Une très très belle passe de Médiane Guama. 35 à 31. Oh là là, perte de balle de Charles Noabou. Et 2 points. Benoît Mangin qui va jouer un pic avec Georges Joseph. 2 points scorés de Mehdi. Voilà, on a vu la belle coupe de Mehdi qui va apporter une solution à Georges Joseph. La balle perdue sur la relation extérieure-intérieure. Médiane Guama qui fait parler sa vitesse et qui va scorer 2 points. Jean-Baptiste Maille, Renwright. C'est bien joué, une belle passe de Renwright, c'est sa deuxième dans le backdoor comme ça. Et Richard au scoring. Ah, perte de balle, mauvaise passe de Médiane Guama pour Georgie. Contre-attaque conclue par le numéro 24 de la SIG. Médiane Guama qui joue son 1 contre 1. Et Benoît Mangin qui va finir tranquillement. Ah! Oula, le contre du numéro 0 sur Noé. One right au post-up. Boissy qui a 3 points. Et c'est dedans. Ouais. Ouais, Boissy qui est. Ah! Et c'est dedans. Colson qui récupère une balle déviée. One right au post-up, prise à 2. Il arrive à la ressortir sur Boissy qui a 3 points. Et c'est raté. Rebond pour Colson qui traîne par là et qui remonte tout de suite. Qui enfonce et qui rate, qui est contré par Léopold Cavalière. Chikambu qui met de la vitesse. Faute provoquée. N1 pour Chikambu.
Faute de Boris Diallo, de Diallo, pardon. Encore une balle perdue du Portel. Faut pas encaisser celui-là. Et bien. Moins 12, et c'est fin du troisième quart-temps sur ce panier de Colson. Pour McIntosh, j'ai un triangle qui n'y arrive pas. Nguema avec le petit tir à deux points, et c'est réussi au buzzer. Moins 10, le Portel qui score le premier panier de ce quatrième quart-temps. Quand je fais avec la balle, qui cherche une solution à l'opposé. On a mangé un 3 points, qui la ressort sur McIntosh. Et c'est dedans. Et c'est scoré. Avec une faute en prime, Léopold Cavalière. Balle pour Richard. Avec Ryan Wright qui la ressort pour Boasic, le drive. Et c'est une faute N1. Richard pour Maï. Encore une passe pour Maï. Et c'est un N1 encore une fois. Nguema, je crois que c'est sa cinquième faute. Mais qui cherche le post-up. Mais non, il la transfère avec Vanero à 3 points. C'est et dedans. Et le public qui se lève. Voilà, enfin. Maï avec Wainwright à l'écran. Qui la passe à Boasic. Qui la transfère à Richard. Richard à 3 points. C'est dedans. Il était tout seul. Ouais. Plus 11 pour la SIG. Benoît avec Georgie. McIntosh, step back à 2 points. Et c'est dedans. C'est scoré. Très très beau joueur McIntosh. C'est un 2 points de Boasic et c'est dedans. Il a mordu la ligne. Ouais. Boasic y a. Et possession pour le CSM. Les musicos qui poussent une dernière fois avant et la fin de ce match. Et McIntosh and one. Voilà, il fallait juste un petit coup de musicos pour que McIntosh se réveille. Oudano sur Joseph. Richard. Oh, Oudano qui oublié. Se retrouve tout seul. L'oubli défensif. Ils n'ont pas bien communiqué du côté portelois. Quelle erreur. 45 secondes à jouer. Ouais, Strasbourg qui essaye de gratter du temps, c'est normal. Ah, interception de Boris Diallo qui va filer. Et c'est 2 points. 10 secondes, vont-ils la jouer? Ouais, je pense. Abou à 3 points, raté, Boris Diallo au rebond. Allons-y. Allons-y. Et c'est fini. Et Strasbourg qui va s'imposer de 6 points. Les 6 points, ouais. Le Portel qui est revenu à la fin, mais ouais, ils sont...